Salut à tous, donc aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo, je viens pour une vidéo Funko Pop. À la fin je vous présenterai donc celle que j'ai déjà, mais là en fait récemment j'ai fait une commande. Bon, j'en ai commandé 8, sauf qu'il y en a une qui n'est pas encore arrivée, je vais vous les présenter tout de suite. Donc pour commencer, j'ai pris Pepper de la série American Horror Story. L'emballage est nickel, il n'y a aucun coup, rien du tout, c'est nickel. Ah, oh non. Trop joli. Donc elle se présente comme ceci, donc... Il y a quelques petits défauts, mais en fait ça se trouve en dessous de la tête, je sais pas si vous verrez, mais il y a des défauts de colle à ce niveau là, mais bon, limite on s'en fout en fait puisqu'on le verra pas. Donc voici Pepper. Donc pour ceux qui connaissent American Horror Story, on la voit dans la saison 2 ainsi que la saison 4, mais franchement, trop chou. C'est bon, je l'avais. Bon, en attendant, je vais la mettre là. Voilà, est-ce qu'elle tient debout? Voilà, donc ça c'était pour ma première pop. Ensuite, je prends ce qui me tombe sur la main. Ensuite, j'ai pris donc Adipose de Doctor Who. C'est donc un petit personnage de Grèce, on va dire ça comme ça en fait. C'est de la Grèce, ceci c'est de la Grèce, voilà. Et donc c'est un glow in the dark, c'est phosphorescent, donc ça se voit dans la nuit. Mignonnerie. Oh, il est trop... C'est vraiment une mignonnerie, quoi. C'est trop chou. Ensuite, je prends au pif. Donc en fait, c'est venu dans un énorme carton. Voilà. Ils sont tous là. Donc ensuite, je prends le premier qui me tombe sous la main. C'est de nouveau une pop de American Horror Story. Donc c'est Hypodermic Sally. C'est dans la saison 5, tout simplement. Voilà. Il n'y a aucun défaut de nouveau sur la boîte, franchement nickel chrome. Donc moi il faut savoir qu'en fait je sors les pops de leur emballage, mais je garde les boîtes, elles sont juste au dessus, je vous montrerai après. La voici, voilà, les détails sont vraiment incroyables, mais c'est un truc de fou. Bon, il y a un petit défaut de peinture dans le cou, mais on le voit vraiment pas, c'est juste en regardant de près. Elle est vraiment magnifique. Donc je vous montrerai ça de près à la fin. Il y a un petit socle pour la faire tenir. Voilà. Parce qu'elle est quand même pas mal lourde. Mais franchement, les détails sont incroyables, quoi. Je vous le montrerai donc après. Je vais la mettre avec Pepper. Ensuite, bim, Jessica Rabbit. Donc c'est... Ça fait partie de la collection Disney. Pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, c'est tout simplement... Enfin, c'est la femme de Roger Rabbit. Donc, du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Hein. Voilà, c'est un personnage que j'adore, que je voulais absolument. Donc, la voici, la voilà. De nouveau, aucun de coup sur la boîte. Picota, picoti, picota, picoti, picota, picoti, picota. Ça commence à faire compliqué, hein. Bon, en fait, je sais pas si c'est normal ou pas. Donc, si vous l'avez, dites-moi. Mais la tête bouge énormément, c'est-à-dire qu'elle bouge même en faisant ça, vous voyez. Donc, j'espère que c'est pas... J'espère que c'est pas un défaut. Sinon, elle est vraiment magnifique. Il y a des micro paillettes sur sa robe. Elle est vraiment trop jolie. Mais j'espère vraiment que c'est pas un défaut là. Ensuite, voilà. Je vais laisser ma préférée pour la fin. Donc je vais prendre celle qui me tombe sous la main. Donc Jane Bennett du film
Pride and Prejudice and Zombie. Donc c'est Orgueil et Préjugé versus Zombie. Voilà. Donc en fait, à la base, je voulais prendre Jane Bennett et Elizabeth Bennett en même temps. Mais j'en avais un petit peu beaucoup, donc j'ai juste d'abord pris Jane Bennett parce que je trouvais qu'en fait, en termes de Funko Pop, elle était beaucoup plus jolie. Mais dans le film, je préfère Elizabeth Bennett. Hein. Mais bon, voilà, je l'aurai un jour. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il y a un tout petit défaut, mais il est microscopique. Et elle est vraiment magnifique. Elle est sublime. Elle est vraiment trop mignonne. Je vais la mettre avec Hermione. Alors ensuite, pour aller avec ma Mulan, que voici, là, hein, j'ai donc pris évidemment mes personnages préférés du film Mulan. Parce qu'en fait, Mulan, c'est mon dessin animé préféré de Disney. Et mes personnages préférés dans ce Disney-là, c'est Mushu et Cricket. Voilà. Lady Valley. Je suis vraiment trop contente. Oh. Voilà, il n'y a aucun défaut et ils sont vraiment trop mignons. Donc voilà, voilà. Je vais les mettre ici. Ils sont un petit peu bancales. Enfin, bref. Et mon dernier Funko Pop, le plus attendu, mon préféré de tous les temps, Natsu de Fairy Tail. Donc, faut savoir que Fairy Tail, c'est mon manga préféré de tous les temps. Je regarde en boucle, boucle, boucle. Et Natsu, c'est mon personnage préféré, avec Mira Jane, pour ceux qui connaissent, et Happy, et Grey. Enfin bref, Natsu, c'est vraiment le number one. Et je suis trop contente de l'avoir, franchement, là, je suis hystérique. Je voulais prendre à la base Lucy et Happy en même temps que Natsu, mais bah, j'en avais trop. Déjà là dans ce colis j'en avais trop. Donc je prendrai plus tard, même si je vous avouerai que je n'aime pas trop Lucy. Mais bon. Alors il y a aussi de nouveau un léger petit défaut au niveau de la tête. Mais sinon elle est vraiment... Il n'y a aucun défaut quoi. J'aime trop. Voilà, Natsu. Avec sa petite flamme dans la main, trop mignon. Donc je vais, voilà, la mettre ici. J'avais commandé aussi donc Pocahontas, mais elle n'est pas encore arrivée, elle arrivera dans les semaines à venir, je pense. Donc là, je vais vous présenter celle que j'avais déjà. Pour mon anniversaire, je me suis offert Mulan. Qui est vraiment trop mignonne, qui est aussi un petit socle pour la tenir. Il y a des détails incroyables d'ailleurs sur cette pop. Mon copain m'a acheté aussi pour mon anniversaire Dancing Groot qui est la Bubble Head. Hein. Voilà, trop choupi. Je l'adore. Je me suis aussi acheté Miko avec son petit biscuit dans la main, donc c'est l'animal de compagnie entre guillemets de Pocahontas. Et la dernière que je m'étais achetée, c'est Hermione dans Harry Potter et la Coupe de Feu, donc dans sa robe de bal qui est mais, magnifique. Je vous montrerai de près, mais les détails sont incroyables. Donc voilà, je vais vous les montrer de près, mais je vous avouerai que il y en a encore plein que j'ai envie d'acheter et c'est très addictif. Et puis comme j'aime beaucoup de mangas, beaucoup de dessins animés, beaucoup de films, beaucoup de séries, c'est compliqué parce que j'en veux beaucoup. Voilà, mais bon, je me restreins au maximum, hein, mais voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.